Et yo les gens, c'est DiaboloFit35, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, ne jamais faire spawn à 3h du matin. Et aujourd'hui le personnage qu'on va faire spawn c'est le Joker. Et oui le Joker, le terrifiant ennemi de Batman. Alors pourquoi le Joker? Simplement parce que ça a été le top commentaire de ma dernière vidéo. D'ailleurs si tu veux voir un prochain personnage faire spawn, enfin spawn à 3h du matin, et bien tu me dis en commentaire et le top commentaire sera choisi pour la prochaine vidéo. Du coup j'espère un épisode qui vous plaira, je pense qu'avec le Joker ça va vraiment être un épisode vraiment vraiment stylé, puisque je pense que le Joker va être dans les personnages les plus terrifiants et les plus intelligents qu'on va faire spawn. Et du coup je pense que ça va vraiment vraiment être cool. Du coup c'est parti les gars, on va de suite commencer. Mais avant ça je t'invite à t'abonner si tu n'es pas encore abonné à ma chaîne YouTube, c'est gratuit. Et comme ça tu ne loueras plus aucune de mes prochaines vidéos 3h du matin. Bien évidemment je t'invite aussi à activer la cloche notification, comme ça tu feras partie de la team zombie. La team zombie c'est qui? C'est tous ceux qui sont abonnés à ma chaîne YouTube. Du coup n'hésite pas à rejoindre la team. Si tu veux plus de vidéos 3h du matin, et eh bien tu mets un gros pouce bleu à cette vidéo. S'il y a 1500 pouces bleus sur cette vidéo en moins de 24 heures, je sais que c'est un petit peu compliqué mais vous en êtes capable, et eh bien je ferai directement un nouvel épisode de Ne Jamais Faire Spawn à 3h du matin. Du coup c'est parti les gars, et eh bien je vais faire spawn le Joker. Donc là ça va pas être très très compliqué. Le truc, il va falloir que je me mette en game mode survival par contre. Et je vais vous montrer un petit truc, c'est qu'on va s'échapper comme la dernière fois avec c'était avec Freddy, par un chemin de minecart. Je pense que là cette fois-ci il aura forcément pas de genre la dernière fois en fait il avait aussi un minecart, mais là je pense, enfin c'est obligé qu'il en ait, que c'est pas possible qu'un personnage en ait deux fois de suite, enfin ce serait vraiment trop abusé. Du coup là je construis directement le totem. Donc là voilà c'est un petit peu particulier comparé à d'habitude, voilà c'est pas exactement le même fonctionnement. Là faut faire ça hop ici et là, du coup normalement c'est bon. Si on ajoute voilà ici une petite croix, hop c'est bon, enfin du coup c'est une croix voilà comme ça. Ok, là normalement c'est pas mal, là c'est bon, c'est comme ça qu'on va le faire spawn. Alors en fait ce qui va être un peu différent dans ce spawn là comparé aux autres personnages, c'est que c'est moi qui vais casser le sol pour découvrir le personnage. Donc, voilà ça va être un petit peu différent d'habitude, mais c'est comme ça pour le Joker. Bien évidemment je mets la redstone qui symbolise le sang, il faut que je relie à une torche de redstone, mais c'est moi qui vais casser le sol. Avant de mettre la torche de redstone, avant de mettre la torche de redstone, et eh bien je vais construire mon chemin de minecart. Donc voilà les gars, je viens de terminer mon petit chemin pour m'enfuir directement. Donc là hop ça va pas être compliqué, j'ai fait un truc beaucoup plus rapide que la dernière fois. Hop c'est bon, hop c'est bon, voilà, hop c'est bon. Et comme ça j'aurai juste à poser mon cart ici, rentrer dedans, voilà directement. Et là j'arriverai ici, hop ici je descends et là je m'enfuis. Donc voilà, vous avez vu, simple et efficace. Plus simple et plus efficace que la dernière fois, je pense. Du coup, là, je me mets tout de suite en game mode survival. C'est bon, je suis en game mode survival. Je pose la torche pour faire spawn le Joker. Et là, je vais casser doucement les blocs. Ok. Oh. Ok. What? Attends, il vient de se lever et de se rallonger. C'est quoi ce délire? Attends. What? Ok, d'accord. Joker. Ok, il dort. Ok, ok. Ok, il est comme à moitié enterré, hein. Vous avez vu, c'est à moitié ça tombe, mais genre il est enterré, c'est flippant. Ok, Joker, ça va? Il m'appelle. Ok. Qui es-tu? Ok, les gars, attendez, vous êtes prêts? Hop, c'est bon, vite! C'est bon. Je me suis enfui, c'est bon, je me suis enfui. Ok, il est parti? What the fuck? Attendez, les gars, il est parti directement? Ok, attendez, moi je vais en profiter pour m'échapper. Mais attends, c'est bizarre quand même. Genre, il est parti faire quoi là? Attendez, je vais me réfugier dans la maison, je vais le regarder à la fenêtre là. Peut-être qu'il est en train de préparer une technique pour venir me tuer par la suite. Je rappelle que le Joker est extrêmement intelligent. Du coup, il faut que je fasse vraiment, vraiment attention. Genre, peut-être qu'il va arriver de partout dans la maison. Je préfère me planquer en attendant. Hop, je vais me planquer ici. Je vais regarder quand même en direction de la gare s'il n'y a pas un truc bizarre qui se passe. Ça a pas l'air, hein. Pour l'instant, il n'y a pas l'air d'avoir de trucs un peu bizarres. Bon, en tout cas, c'est vraiment chelou. Là, pour l'instant, je l'ai fait spawn, mais il n'y a pas. Il a pas essayé de me tuer, enfin il a essayé de me tuer au début avec une épée en fer comme à peu près tous les personnages le font. Mais sauf que là actuellement il est pas du tout, je sais pas où il est. Donc c'est assez problématique. Est-ce qu'on essaierait pas de revenir? Voilà, on revient un peu. On va essayer de visiter un petit peu la ville à la recherche du Joker. Franchement restez bien jusqu'au bout de cette vidéo parce qu'à mon avis je pense qu'il va y avoir pas mal de rebondissements. D'ici là bah moi je vais essayer de visiter un petit peu la ville. Je sais qu'il est parti par là, alors après il est dans la gare mais je sais pas s'il est dans la gare ou pas. Joker, où es-tu? Ok,
Bon, là, on va regarder un petit peu des deux côtés de la route. Il n'y a rien, en tout cas, des deux côtés. Alors là, il fait nuit, c'est vraiment stylé, hein. Les 3 heures du matin, c'est ça que j'aime bien, c'est qu'il fait tout le temps nuit, en fait, sur Minecraft. Et ça, c'est vraiment cool. Pendant qu'on est en train de chercher le Joker, je vous invite à aller rejoindre mon Instagram. Alors, ça sert à quoi de me suivre sur Instagram? Ça permet tout simplement de choisir mes prochaines vidéos ensemble. C'est-à-dire que je fais des petits sondages. En fait, c'est un peu plus convivial parce qu'on est beaucoup moins que sur YouTube. Et du coup, bah, tous ceux qui viennent sur Instagram, bah, on peut parler un petit peu, etc. Via mes sondages, etc. Du coup, je vous invite vraiment à rejoindre. Et l'autre réseau social qu'il faut rejoindre quand tu me suis, eh bien, c'est Discord. Sur Discord, on est toute la team zombie. Du coup, n'hésite pas à rejoindre la team zombie. Voilà, on discute tous entre nous et c'est vraiment super cool. Donc voilà, je rappelle que mon Instagram et mon Discord sont en description et il faut pas hésiter à les rejoindre. Bon, les gars, on est toujours à la recherche du Joker et franchement, j'ai toujours pas d'idée d'où il peut être. Alors, je pense que. Bon, tout à l'heure, j'ai pas osé y aller parce que je me suis dit, imagine, on tombe sur lui et il essaye de nous tuer, etc. What the fuck? What? Attendez. Wow. Non, par contre, ça, pas du tout. Là, ça va pas du tout. Ok, attendez, je vais tout de suite rentrer. Wow! Attendez, faut que je rentre par l'arrière de la gare parce qu'à mon avis, là, actuellement, c'est bouché, je peux rien faire. Ok, je vais rentrer par là. Ok, c'est bon, là, je rentre. Ok, c'est bon, je suis rentré par là. What the fuck, les gars? Eh, hey, Joker, tu fais quoi? Le Joker, tu fais quoi? Attends, je vais casser la fenêtre. Tu fais quoi, le Joker? Oh, stop! Eh! Hey. Non, ne me tue pas. Ok, attendez, je ressors. Détruire. Non, s'il te plaît, hey, Joker. Ta précieuse ville. Joker, t'as envie. Tu veux quoi? Tu veux quoi contre. Tu fais pas exploser cette gare? Et tu veux quoi en échange? Des sous, du fric, je veux du blé. Ok, les gars, alors là, par contre, c'est une situation critique qu'on n'a pas eu auparavant. C'est-à-dire qu'il veut détruire la ville. Et franchement, la ville, on en a besoin parce que c'est là où je fais la plupart de mes vidéos. Franchement, il faut absolument pas qu'il détruise cette ville. Bon, les gars, il faut. Bon, je vais devoir me mettre en game mode créatif. Bon, les gars, c'est bon, je me suis mis en game mode 1. Bon, donc en game mode créatif pour, eh bien, choper de l'argent. Parce que là, on est en situation critique. Donc, je triche un petit peu. Et on va donner ça au Joker. Alors, Joker, j'ai plein d'or pour toi. T'es où, Joker? Il est où, le Joker? Les gars, je sais pas où il est. Je prépare ma future boum badaboum. Ouais, non, le Joker, j'ai tout l'argent que tu veux, si tu veux. J'ai vraiment tout l'argent que tu veux. Donc, où est-ce que tu es? Je suis en train de poser mes mines. Ouais, non, mais j'ai plein d'argent, en fait. Attends, regarde, je suis là, regarde. Je suis là. Regarde, le Joker, je suis là. J'ai tout l'argent pour toi, si tu veux, ok? On va faire la transaction dans une maison. On va faire une transaction dans une maison, d'accord? Ouais. Alors, viens. Tu me suis. Non, tu me suis. Je te suis? Non, on fait pas comme ça, c'est moi qui te suis. C'est toi qui me suis, je veux dire. C'est toi qui me suis. Non, on va pas faire. Qu'il faut. On va pas faire ça comme ça, attends. Non, Joker. Je veux que tu me suives, ok? C'est moi ou c'est toi qui choisis? Si c'est toi, je fais sauter. Je te rajoute 64 lingots d'or si tu me suis. Tu me donnes 64 en plus et je te suis. Ok, ça te va? Ok, vas-y, attendez les gars, faut que je prenne un peu plus d'or. Hop, ok, c'est bon. Alors, faut pas que je lui en donne trop non plus parce que après il peut acheter pas mal de trucs et faire des trucs beaucoup plus gros. Et voilà, faut pas donner autant d'argent à un mec qui est comme ça. Mais bon, si c'est le moyen de sauver la petite ville, eh bien, c'est comme ça qu'on va le faire. Alors, ok. Alors, du coup, on va faire la transaction ici, Joker, ok? Tiens, hop, je te file tout l'argent. Tac, vas-y. Hop, c'est parti, les gars. On se retrouve après une ellipse quand je lui aurai filé tout l'argent. C'est bon, je t'ai filé tout ton argent, Joker. Qu'est-ce qu'il y a? Tu m'as cru, c'est naïf. Viens voir. Qu'est-ce qu'il y a? Petit. Attends, what the fuck? Attendez, c'est quoi ça, les gars? Regarde, j'ai juste à appuyer sur ce levier, puis badaboum. Attends, tu vas me dire. Attends, t'as placé ça quand? Parce que tout à l'heure, on a fait le chemin. Quand j'ai fait en même temps. Pendant que tu marchais là? Je suis un malin, t'as qu'à aller vérifier. What? Attends, mais c'est pas possible que ce soit. What, les gars? Genre, il a fait ça en gros. What? Attendez. Il va me dire qu'en gros il a fait ça pendant qu'on marchait. Ouais. Il a déroulé tout ce câble là pendant qu'on marche. What the fuck les gars. Vas-y, suis le petit câble. Non. Il a allumé. Il a allumé les gars. Ok. What the fuck les gars. Adieu.
Heureusement que j'étais en créatif, les gars. Sinon, je serais Oh, mort. ça a fait un méchant trou. Oh, j'ai jamais vu ça sur un épisode de 3h du matin, les gars. Regardez la gare, comment elle est explosée. Et Ah maintenant, essaie de me ouais. retrouver, sinon je Ok, les gars. Alors là, continuerai. par contre, c'est vraiment chaud de ouf ce qui vient de se passer. Bon, les gars, là, on a un sérieux problème. Wow. Bon, les gars, il va falloir que je retrouve. Ok, il a le Joker. Ok, il a le Joker. Bon, les gars, je vais devoir me servir de mes pouvoirs en créatif pour arrêter le Joker. Puisque là, on peut pas continuer comme ça. Les gars, c'est parti. Il faut que j'élimine le Joker. Boum. Sinon, il va absolument tout détruire. C'est vraiment l'ennemi le plus vénère qu'on ait rencontré jusqu'à présent. Enfin, en tout cas, l'un des plus malins. Ok, les gars, c'est parti pour l'éliminer. Alors là, il faut que je le trouve. Ok, alors là, ça lague un peu avec le TNT. Ok, c'est bon, je vais le retrouver. Ok, c'est bon, hop. C'est que le commencement. Non, il va pas poser. Ok, hop, c'est bon, non, ok. Adieu. C'est bon. C'est bon, les gars, j'ai réussi à éliminer le Joker. Une bonne chose de faite. Bon, par contre, le Joker aura laissé des marques indélébiles. What? Il a respawn là-bas? What the fuck? Attendez, faut que je l'élimine encore une fois, je pense. Je suis immortel. Non, c'est pas possible. Ok, attendez, les gars. Ok, 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 ok. Ok, c'est bon. Les gars, je pense que je l'ai éliminé définitivement. Donc voilà les gars, j'espère eh bien que cette vidéo vous aura plu. C'était vraiment très cool à tourner. Le Joker, voilà, il aura laissé des marques indélébiles sur la ville. C'est ce que je voulais dire tout à l'heure. C'était Fan de Chat qui jouait le rôle du Joker. Merci à lui pour sa prestation. N'hésitez pas à aller le voir en live tous les soirs, quasiment tous les soirs à partir de 21h. Il est en live du coup. N'hésitez pas à aller voir sa chaîne si vous voulez voir un peu de Minecraft, etc. le soir après mes vidéos. Donc voilà, bye tout le monde les potos. J'espère que cette vidéo vous aura plu. On se retrouve très bientôt pour un prochain 3h du matin. D'ici là, bye tout le monde les potos. Je vous aime et à très vite.